Oui, parce que étant jeune, le mercredi, le samedi, j'allais avec mon père un peu dans les vignes. C'est là que j'ai découvert le métier et ça m'a bien plu. Quand je me suis lancé, je me suis installé aussi dans les vignes à faire mon propre vin, par passion. En 1999, parce que c'est la naissance de ma fille et c'est la construction de ma cave. Ben, l'inox, c'est bien, j'ai pas mal de cuves en inox, mais la terre cuite, je trouve que ça donne une meilleure oxygénation des vins. Je conserve un peu plus le côté fruit et après un assemblage, je trouve ça très sympa. Bah, disons que les vieilles vignes, en plus je fais une cuvée de sélection de vieilles vignes, donc je sélectionne dans différents terroirs plusieurs vieilles vignes. Il y a moins de raisins, mais c'est meilleur parce que les racines plongent et on extrait un peu plus le terroir. Et ça, c'est intéressant. Oh, mais pour moi, une dégustation, c'est ouvrir une bonne bouteille de Rasto cru et la déguster entre amis. C'est comme la dégustation, comme l'autre question, c'est-à-dire qu'un repas réussi, c'est quand on est entre amis, qu'il y a des bonnes choses à manger, qu'on passe du temps, qu'on fait des échanges et qu'on boit des bonnes bouteilles de Rasto. Bah, les projets à venir, c'est mon fils qui travaille avec nous depuis quelques années, qui a 25 ans et normalement l'an prochain il va s'installer avec nous.